nous envoyons quelques éclaireurs pour localiser une zone spatiale sûre. À partir de là, nous pourrons établir une base d'opération orbitale, essentielle pour orchestrer les phases finales de ce conflit. Familiarisez-vous avec le pilotage des corsaires. Suivez votre indicateur de point de passage pour patrouiller dans la zone désignée. Toute unité de marines ennemies trop curieuse devra être immédiatement interceptée avant qu'elle ne puisse s'enfuir ou communiquer avec le reste de la flotte. Vol bleu, suivez vos points de passage et patrouillez le secteur 327-2. Vol rouge, rendez-vous au secteur 327-5. Vol bleu, nous enregistrons de légères anomalies dans votre zone. Téléchargement des coordonnées. Il peut s'agir d'une interférence, mais vous devez y jeter un coup d'œil. Relevé d'énergie inhabituelle détecté. Allez voir. Scannez ces véhicules. Contrôle, ici rouge 1. Secteur 327-5 entièrement dégagé. En route pour le secteur 327-4. Source d'énergie identifiée. Allez-vous-en. Nous avons localisé plusieurs mines dans les tourelles. Téléchargement des coordonnées. Vol bleu, vous avez le feu vert pour attaquer. Renforce en route. Heure estimée d'arrivée, 2 minutes. Vol bleu. D'autres ennemis arrivent. Vous avez besoin d'aide. Rouge 2, vous êtes avec moi.
Joli travail, vol bleu. Bon travail, vol rouge. Nous avons perdu le contact avec vol vert, peut-être à cause des astéroïdes, mais nous vous demandons de vérifier. Téléchargement des coordonnées. Ennemis. Chasseur, vaisseau de ravitaillement. Vol rouge, détruisez les chasseurs. Vol bleu, désactivez les vaisseaux de ravitaillement. Vol bleu. Bon travail, vol rouge. Mission accomplie. Rentrez à la base. Contrôle bien reçu. Speak et Kincaid avaient échafaudé un plan cauchemardesque. Kincaid devait emmener une équipe d'assaut à bord de l'un des vaisseaux de lancement capturés et se faire passer pour une troupe de Gris tentant de quitter la planète. Si nous faisions vite, les codes de sécurité n'auraient pas changé et l'équipe de Kincaid atteindrait la piste d'atterrissage du vaisseau transporteur, le Barossa. Une fois à bord, l'équipe d'assaut immobiliserait le plus de systèmes de défense possible et attendrait que le reste de nos troupes arrive et fasse feu. Ça m'avait tout l'air d'une mission suicide, mais comme personne n'avait de meilleur plan à proposer, il fallait bien accepter celui-là. Félicitations. Des espions des services spéciaux questionnent actuellement les Marines du vaisseau de lancement que vous avez désactivé. Jusqu'à présent, ils n'ont encore rien voulu dire. Cependant, nos ingénieurs techniques prévoient de télécharger l'une des destinations du vaisseau de lancement
dont les coordonnées se trouvent dans l'ordinateur de navigation de bord. Dans les prochaines heures, nous connaîtrons l'emplacement exact de l'un des appareils d'assaut de Gris. Grâce aux renseignements que nous avons réunis au cours d'autres missions de reconnaissance, nous pensons que lors du départ précipité du colonel Gris, ses troupes se sont quelque peu éparpillées. Cela devrait nous donner l'avantage pour espionner leurs allées et venues. Les champs électromagnétiques émanant des importants champs d'astéroïdes situés au-dessus de Callisto diminuent la portée et la qualité des communications. Faites-en votre atout lors des combats avec l'ennemi. Un champ d'astéroïdes peut être également un endroit idéal pour les combats, si le pilote est entraîné au vol en milieu urbain.